Vous vous souvenez de l'histoire du lycée autogéré de Paris et vidéo qui sera entre l'actualité, l'anecdote et la vidéoscopie. Il semble que le destin ait mis à jour un peu l'histoire de cet établissement et pas forcément dans un sens qui va nous surprendre. Reportage sous la pluie de brut. Encore. Qui nous apprend, comme vous l'avez sans doute déjà deviné, que ce lycée vit ses derniers jours. Bref, vous étiez les premiers à en apprendre l'existence grâce à tonton Stéphane. On sera peut-être les derniers également à en parler. Ainsi, la boucle sera bouclée. Je sais que j'aurais pas eu forcément ma place dans un lycée traditionnel. En tout cas, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Et voilà, j'aimerais qu'il y ait d'autres élèves qui aient la même chance que moi. À l'avenir, voilà. Je suis très touchée parce que, en fait, pour moi, ça a eu beaucoup d'importance dans mon parcours et je suis assez triste de voir ce projet et ce lycée disparaître. Il y a 2 ans pour... Ben, moi aussi. Vous savez, les émotions sont contagieuses, hein, on en a tous fait l'expérience. Il suffit de se retrouver dans un groupe atteint d'une certaine forme de neurasthénie pour se sentir tout mou. Il suffit de se retrouver en présence de quelqu'un d'histrionique pour se sentir comme ça, tout à coup, pumpé. Donc moi je ne me réjouis pas de voir des gens tristes. Je sais que ça va vous prendre un peu à rebrousse-poil. Vous vous attendiez à ce qu'évidemment je fasse feu de tout bois et que je me gargarise de l'échec de cette établissement au titre qu'on a été un petit peu narquois l'année dernière. Non, voyons ce qu'il s'y déroule, voyons les raisons qui ont conduit. Alors, j'ai une intuition sur ces raisons parce que il se trouve que, évidemment, comme cette vidéo a beaucoup marché, elle m'est désormais associée, le nom de ce lycée m'est un petit peu accolé, et désormais, quand vous en entendez parler, vous me transmettez toutes les news à son sujet via les fameux réseaux sociaux sur lesquels je vous invite à me retrouver. Et donc, je savais qu'il y avait des histoires de... Comment prononcer les mots qui désormais font si peur à l'algorithme, des histoires de réputation de professeurs qui ne seraient peut-être entachés de quelques... Bon, bref. Cela ne nous regarde pas. En tout cas, non, découvrons si l'issue que j'avais plus ou moins prédite quand même par rapport aux résultats, par rapport à l'entretien, j'avais dit que l'absence, les carences en matière d'entretien devaient sans doute présager d'infractions à la sécurité élémentaire. Je n'ai eu de cesse de compter les câbles électriques qui pendaient le long des murs, les fenêtres où l'encadrement est à moitié ébréché, les auréoles sombres sur un certain nombre de murs et de portes. Je suis relativement inquiet, pas seulement pour des questions de salubrité, mais également pour des questions de sécurité. Car généralement, il n'y a pas 36 manières de s'y prendre. Hein. Quand tout est négligé, à commencer par les murs, eh bien, ça veut dire que, y a de la désinvolture au niveau de l'entretien, du gaz, de l'électricité, des extincteurs. Et ça, malheureusement, autogéré ou pas autogéré, bah, il y a des contrôles d'hygiène, il y a des contrôles de salubrité. Eh bien, j'avais prédit que ça n'allait pas faire long feu. Bon, bah, l'avenir m'a donné raison, mais je ne m'en réjouis pas. Voilà. Pour ces braves petits yels du lycée auto-pas géré ou auto-mal géré. J'avais suivi les élèves du lycée autogéré de Paris pour comprendre ce fonctionnement un petit peu particulier. C'est un endroit particulier, oh, le petit c'est L. autogéré. Donc les élèves vont. Dont on n'avait finalement jamais réussi à deviner si c'était un homme ou une femme. Tout faire ensemble, il n'y a pas vraiment d'administration, il n'y a pas de personnel de ménage, il n'y a pas de personnes qui nous font à manger. On n'a rien de tout ça et c'est les élèves et les professeurs. Ah, c'est une femme, pardon. Margot. Cet établissement va fermer ses portes après 42 ans de fonctionnement suite à une décision du rectorat. Aujourd'hui, les élèves et les professeurs sont réunis pour demander une modification de cette décision. Alors, il est mentionné les 42 ans comme si ça attestait d'une quelconque vertu. Non. En échange, il n'est jamais mentionné les résultats au bac de ce lycée, car je rappelle que la fonction première d'un établissement d'enseignement secondaire, c'est ça pour le lycée, est quand même d'amener le maximum d'élèves possible, non seulement au bac, mais ensuite à l'université ou aux classes préparatoires. Et on rappelle que c'était les pires de France, ou les derniers, ou les avant-derniers, ce qui a quand même peut-être participé à la réflexion à leur encontre. Ça fait des années que je suis trop intelligent depuis... ça fait longtemps, ça. Alors, le lycée autogéré, il est fini en fait. Le rectorat nous a annoncé il y a 15 jours la création d'un nouvel alors, un dispositif qui s'appellerait le lycée. Alors, Emmanuel Slimane, j'ai pas beaucoup de doutes sur le parti politique qui aura sa préférence.
Et je peux même vous donner un indice pour ceux qui hésiteraient entre un parti à trois lettres et d'autres, on va dire, du même demi-camembert de l'échiquier politique. Je pense qu'Emmanuel et le fondateur du parti en question partagent un peu la même dentition. Y a-t-il quelqu'un qui ait autorité pour traiter avec moi ? C'est moi ! Certainement dû à l'utilisation d'une herbe roulée. La création d'un nouvel un dispositif qui s'appellerait le lycée innovant parisien, donc où il supprime les trois piliers, l'autogestion, la libre fréquentation et la cooptation des enseignants. Ah, mais ça, on ne l'avait pas, ce pilier-là. Alors, on avait effectivement l'autogestion, hein, on avait bien vu. La libre fréquentation n'est sans doute pas étrangère à l'absence de tout résultat au baccalauréat, enfin plutôt à des résultats catastrophiques, voire risibles au baccalauréat. Ce qu'on n'avait pas en revanche, c'est le phénomène de la cooptation. C'est-à-dire que, à l'instar d'innombrables découvertes que nous avons faites par le passé, dans des vidéoscopies mais également d'actualité, on voit que plus le milieu est soi-disant tolérant, ouvert et progressiste, plus il fonctionne par entre-soi et par cooptation, c'est-à-dire qu'un professeur de bon aloi, avec des méthodes ayant prouvé leur efficacité et faisant sa demande au rectorat, n'aurait de toute façon pas pu y être admis, puisqu'il en aurait été exclu par une cooptation déclarée. C'est public, ils restent entre eux, voilà. C'est encore une fois toujours leur propre définition de l'ouverture, de la mixité et de la tolérance. C'est la mixité décidée par eux-mêmes de gens qui leur ressemblent dans la médiocrité. Et donc à la suite de ça, dans l'année dernière, le lycée a traversé une crise importante puisque des élèves mis en accusation un enseignant sur des questions de violence sexiste et sexuelle. Voilà, donc ça c'est ce que je vous disais. Par contre, je vois pas très bien le rapport, on va se poser la question dans quelques instants. Quel âge avait cet élève ? Bon, bah, s'il était au lycée, on imagine minimum 18 ans, hein, surtout que dans un lycée autogéré, en général, on a redoublé au moins 4 ou 5 fois. Clairement, cette affaire qui a été instrumentalisée par le rectorat de Paris, dans tous les établissements de France ou presque, il y a des questions liées à ce sujet, et on ferme pas les établissements pour autant. Pour mieux comprendre la situation. Ouais, alors on est resté très vague, volontairement très cotonneux, très nuageux autour de cette histoire, donc par définition, j'ignore, donc je ne commenterai pas. Par contre, j'ai quand même beaucoup du mal à établir un rapport de cause à effet entre des accusations de violence à l'encontre de professeurs et un non-renouvellement de la licence ou de l'agrément, je ne sais pas comment ça s'appelle dans cet univers-là. Parce qu'a priori, ce que ça voudrait dire, c'est que, sachant que les violences sont fatalement antérieures à leur déclaration, elles étaient également antérieures au renouvellement de l'agrément, et donc elles étaient tues, T-U-E-S, dans le but ou dans l'attente d'améliorer ses chances à l'agrément. Il y a quelque chose qui m'échappe là. Pour comprendre la situation, j'ai contacté le rectorat de Paris. Selon eux, cette affaire de violence sexiste et sexuelle n'est pas la raison principale de l'enquête administrative mandatée par le ministère de l'Éducation nationale, mais c'est principalement l'arrivée à son terme de la précédente convention en 2022 et plusieurs dysfonctionnements. Oui, alors je vous rappelais, j'avais été un peu plus amène au niveau de la cuisine. J'avais rappelé qu'à mon époque, il y avait des petits cours de cuisine au collège, pas au lycée, mais au collège. Et qu'à l'époque, évidemment, moi, comme tous les jeunes connards, je m'en étais moqué. Mais au vu du niveau actuel et du nombre de Reels et de TikTok qui démontrent qu'un jeune ne sait pas reconnaître une courgette, d'un céleri, d'un concombre ou d'une aubergine... C'est un concombre, non ? Oui, c'est validé ! Je pense que j'ai eu tort de m'en moquer et que ça serait bien nécessaire, ne serait-ce que pour combattre l'obésité, par exemple. Qui est un fléau, hein, rappelez-vous les saintes paroles d'Oussama. Pas bien d'être gros. Je vais à la salle de sport, je dis ouais, t'es un putain de menteur. Ouais, menteur. Non, pas du tout. Ah, je vous ai pas dit, il m'a invité en plus, Oussama, là. Enfin, toujours comme font ces gens-là, par leur assistant, par leur équipe, pour toujours rappeler qu'ils sont très entourés. Oui, on est souvent très entourés avant que l'entourage vous fasse un procès. Ils m'ont convié à une espèce de talk show. Je suis pas très motivé, en fait. J'ai pas le temps. Et puis, vous savez, à mon âge, on aime à s'entourer et à se rapprocher de gens qui nous ressemblent. Et là, vraiment, la ressemblance, je la vois pas, je la sens pas. Deux et plusieurs dysfonctionnements. Dans son enquête, l'inspection générale a constaté de nombreux dysfonctionnements et un climat délétère au sein du lycée autogéré de Paris,
un défaut de sécurité des élèves qui ne peut demeurer en l'état. Alors c'est marrant parce que le climat délétère n'avait été rapporté. Oh là, les murs sont dégoûtants, couverts de graffitis, le tableau déborde sur le mur. Bon bref, le climat délétère par contre n'avait pas été rapporté par aucun des élèves à l'époque. Hein. Ils s'en étaient bien gardés. Des manquements aux obligations des fonctionnaires. Moi ce que je défends c'est avant tout le lycée. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux et d'histoires personnelles qui peuvent rentrer en compte dans ce problème, mais en fait, ceux à qui je pense, c'est avant tout les élèves. Je sais que moi, il m'a beaucoup offert le lycée Autogéré de Paris. Je veux dire, il m'a fait grandir, il m'a fait ne pas avoir honte de certaines choses, il a changé vraiment beaucoup de choses, surtout que j'étais dans une période très compliquée à cette époque. Je sais, il n'est pas fait pour tout le monde, mais... Moi, il était fait pour moi et je m'en suis sortie et je suis très contente. J'ai réussi ce que je voulais avoir mon bac, je l'ai eu. Mais qui n'a pas le bac aujourd'hui? La moyenne nationale, je crois que c'est quoi, 88% de réussite au bac? Dans un établissement correct, ça doit être 94 ou 95. Il faut vraiment le faire exprès pour pas avoir le bac aujourd'hui. L'école, c'était comment toi, frère? T'as fait un bac quoi? Bac? Ouais. Ah bon. Les élèves ont des parcours scolaires très chaotiques pour beaucoup. Pour certains aussi, une volonté de travailler autrement. Ce n'est pas juste des élèves à problème. Hein. Il y a aussi des élèves qui viennent au lycée autogéré parce qu'ils ont envie d'une autre façon d'apprendre. S'ils sont au lycée autogéré, c'est qu'ils ont des bonnes raisons d'y être et que c'était compliqué pour eux d'être ailleurs. Ils vont pouvoir rester. Hein. Les élèves vont pouvoir rester s'ils acceptent le nouveau fonctionnement. Et c'est des élèves qui, par exemple, la libre fréquentation, le fait de ne pas être sanctionné quand ils sont absents, et bien pour certains, c'est la condition sine qua non pour pouvoir reprendre des études. Oh merde! Oh, c'est con ça! C'est-à-dire que des enfants déscolarisés imposent les conditions à l'école qui va les reprendre, alors que dans un monde normal qui ne marche pas sur la tête, ça serait à l'école, donc à l'établissement, d'imposer des conditions aux élèves. Mais dans la logique de gauchistes, puisque là, bon, ce sont plus que des progressistes, ce sont vraiment des gauchistes assumés. On serait wokiste, on serait indigéniste, machin, on serait un péril pour la République, c'est nous. C'est à l'enfant de suggérer ces conditions, d'imposer ces conditions, l'une d'entre elles étant qu'il vient quand il veut. C'est-à-dire que le lycée, donc le collectif, portera le stigmate de l'échec à l'examen, mais en fait l'échec à l'examen sera déclenché par ma propre fréquentation ou absence de fréquentation. C'est quand même un bon réflexe de lâche à la base. Hein. Ils ont tellement souffert de leurs années précédentes que ça leur donne la possibilité de revenir. En fait. Mais l'école, c'est souffrir, en fait, je suis désolé, hein, mais c'est apprendre à rester des heures assis sur un banc dur, c'est d'apprendre à surpasser l'ennui généré par certaines matières, apprendre à être malin, parfois, dans les matières où, un, on n'a pas d'intérêt, deux, on n'a pas de talent, et trois, on sent qu'on n'y œuvrera pas plus tard, pour parfois avoir le 10, le 11 ou le 12, qui permettent juste de passer et de ne plus jamais en entendre parler. On va dire, de mon école primaire à mon école d'ingé en passant par la prépa, on avait tous, pour la plupart en tout cas, des matières faibles ou des matières de peu d'intérêt où l'on combattait le sommeil en cours et on faisait à l'époque le symbole, on faisait comme ça quand on était fatigué pour faire comme si on avait des allumettes entre les paupières. Et ces allumettes entre les paupières voulaient bien dire je lutte, je souffre, j'attends l'examen, je fais le minimum. Je me rappelle mon copain Fabien en prépa, voilà, qui aimait pas, je sais plus si c'était la trigo, la géométrie ou quoi, il avait dit moi, ma partie forte des maths c'est l'autre, celle si elle n'est pas forte, j'aurai le minimum, je fais... Mais il y a un moment, il faut aussi transiger avec sa propre capacité de travail, sa propre capacité d'attention. L'effort réalisé dans sa jeunesse présage généralement d'une bonne rectitude mentale, voilà. Et la rectitude, de toute façon, quand elle est mentale, elle est aussi physique. On les voit, ils sont tout avachis. Il y a quelque chose de l'ordre du... Comment ça s'appelle cet animal-là? Du lombric. Je ne sais pas combien ces gens-là vont cotiser à l'URSSAF, à la CNAV et à la CIPAF pour ma retraite. Zéro. Mais il s'agirait qu'à un moment, il se bouge un petit peu le c**. Et ça n'existera plus. J'étais une élève qui avait des soucis. Enfin, j'avais une dyslexie assez importante. Et donc, arrivé à un certain stade, à l'époque où j'étais au collège, j'ai eu beaucoup de décrochages. Je suis allée au lycée autogéré. J'ai continué à faire des études par la suite. On retient des choses qui nous intéressent, qui nous ressemblent, dont on pense qu'elles émanent de gens qui nous ressemblent. Hein, t'as pas fait des études, t'as fait des études. Donc quand tu veux retenir des choses, tu les retiens. Ça m'a donné envie de continuer à là où, à un moment donné, dans mon parcours, l'école m'a absolument dégoûté du système. Le
J'ai fait un long parcours, j'ai souhaité en fait aller vers l'enseignement. J'ai voulu postuler, j'étais recrutée donc là en octobre. Ah, les profs ? Ouais, tu m'étonnes. Je suis très fière, pour moi c'est une revanche aussi sur cette scolarité qui a été difficile. Et vraiment, je pense que le lycée m'a donné aussi cette envie d'enseigner. Voilà, je crois que le lycée Autogéré aussi il a apporté ça dans nos vies. C'est un enseignement qui est réparateur, qui est formateur, qui nous permet de savoir où on peut aller, où on a envie d'aller aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Suite aux préconisations des inspecteurs généraux, le rectorat de Paris a engagé des procédures disciplinaires à l'encontre de plusieurs enseignants et a décidé de remplacer le lycée autogéré par un nouveau projet. Le principe d'autogestion ne fait pas partie des principes retenus pour ce projet, mais le rectorat affirme que les personnels impliqués bénéficieront toutefois d'une large autonomie dans le domaine pédagogique. On veut fermer, mais on ne sait pas ce qu'on fera. Hein. C'est un petit peu comme ces décisions arbitraires de vouloir fermer des prisons, là, en s'abritant derrière la doctrine Victor Hugoesque qu'on ouvre des écoles, on ferme des prisons. Mais j'ai envie de dire, on ferme les prisons, où mettons les gens qui les fréquentaient? On ferme des asiles, où mettons les fous? Et on ferme des écoles pour gens inintelligents, ou en tout cas avec des intelligences différentes, où les mettons? Et encore une fois, ce n'est absolument pas un mépris pour les métiers manuels, les CAP, les BTS, etc., etc., il en faut. Mais là, j'ai pas l'impression qu'on forme de l'excellence manuelle. On déforme beaucoup de vêtements, on déforme beaucoup de coiffures. Oh my God ! Que forme-t-on ? J'ai pas exactement compris à quel parcours ces gens se destinaient, à part à une espèce de pyramide de Ponzi qui consiste en fait à apprendre à être prof dans un environnement cradingue et à redevenir prof dans un environnement cradingue. Il y a d'ailleurs un certain nombre de matières, généralement littéraires slash philosophiques, dont la seule destinée est celle d'enseigner la matière qu'on a appris. Ce qui est un peu la définition même, finalement, de la pyramide de Ponzi. C'est-à-dire, le système ne subsiste que dès lors qu'il y aura quelqu'un au-dessus de moi et quelqu'un en dessous. C'est-à-dire quelqu'un qui m'a appris un truc qui est inutilisable et non recyclable dans le circuit économique, et dont la seule manière de le recycler sera de l'enseigner à quelqu'un d'autre dans le même lycée. Hein. Je me rappelle comme ça en prépa, je crois qu'il y avait un élève qui était devenu d'abord assistant, puis enseignant, exactement dans la même prépa, et on se demandait combien de cycles générationnels allaient continuer comme ça, et jusqu'à quand ces enfants allaient rester enseignants dans la même prépa. Bon, mais écoutez, en tout cas, c'est un fait. Je pense que ma première vidéo sur le sujet, en dépit de ses 750 000 vues, à ma connaissance, n'y est pas pour grand-chose. Je ne me sens ni responsable, ni coupable, hein. D'ailleurs, comme du décès de la pauvre, là, je me fais tout le temps emmerder sur Twitter parce que j'avais parlé de cette youtubeuse qui avait mis fin à ses jours enregistrés pour quelque chose. Je rappelle qu'absolument rien. Et ça n'est venu à l'idée de personne de sain qu'une seule vidéo sur quelqu'un qui mettait sa vie en public matin, midi et soir eût pu jouer un moindre rôle dans sa décision. Donc de là, de la même manière, je pense ne pas y être pour grand-chose. Mais à choisir, je me demande s'il n'y a pas quelque chose de plus noble dans le comportement de ce lycée qui finalement a forcément entendu parler de l'existence de ma vidéo, mais ne m'en a jamais voulu, ne m'en a jamais tenu rigueur et ne m'a jamais fait ni de promesses ni de menaces. Et par contre, j'avais dit que j'y reviendrais, je suis désolé, j'ai la rancune tenace, celui des surdoués, dont j'avais plutôt loué dans l'ensemble l'existence et les moyens, à qui j'avais émis comme ça à l'improviste sans réfléchir l'idée de faire un don. Si, selon les formules de défiscalisation que potentiellement vous pouvez proposer, le principe de vous aider pourrait me parler, voilà, indirectement, je suis favorable à l'émancipation des enfants intelligents et surtout ceux à qui leur propre famille ne peut pas ouvrir toutes les portes. Qui m'a courtisé jusqu'au don en me proposant même de venir les rencontrer et une fois le virement reçu a annulé toute l'invitation, a dit que j'avais mal compris et a mis des semaines et des semaines à me fournir le simple petit reçu du don parce qu'en France on ne peut pas comme ça faire transiter des milliers d'euros sans un cadre fiscal et administratif. Ça n'existe pas. Donc j'avais simplement demandé le reçu permettant de justifier comptablement ce don et on avait mis des semaines à me le fournir, voire des mois d'ailleurs, parce que la directrice était en vacances, était ci, était ça. Bizarrement, avant de le recevoir, elle était dispo. Enfin bon, bref, voilà. Adios, amigos. See you
Space Cowboy. Hasta la vista, baby. On rigole bien en présence de tonton Stéphane. On aime ses anecdotes, on aime ses vidéoscopies, on aime ses punchlines. On aimera encore plus les études de cas. Les études de cas, ce sont les idées sans le montage frénétique, sans les cuts, plus approfondis et appliqués, bah, comme leur nom l'indique, à des cas concrets. Études de cas, la chaîne se trouve ici, là, quelque part au bout de mon doigt. C'est le moment d'aller y jeter un œil.